Bonjour les gens, c'est Drake Survie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se retrouver pour la semaine, une dernière semaine où on va essayer de faire des jeux pour Noël. Dernière semaine de l'année où je ferai des vidéos. Il y aura des vidéos la semaine prochaine, mais il y en aura pas autant que cette semaine. Donc normalement vous n'avez pas eu de vidéo lundi, il y en aura deux mardi normalement, mardi et le reste jusqu'à vendredi. Il y aura peut-être une vidéo le samedi pour compenser le lundi, et vous aurez 2-3 vidéos dans la semaine vu que on va être en fête de Noël. Donc je pense que voilà, j'espère que vous passez de bonnes journées. Nous on est dans le brouillard, je vois rien du tout à plus de 50 mètres de ma fenêtre là. Je vois pas le reste de ce que je vois habituellement. Donc aujourd'hui on va se retrouver sur Fortnite, donc la saison 1. J'avais pas fait de vidéo sur la saison 1, j'avais fait la fin de notre dernière saison, de la saison dernière. On avait vu un minimum tout ça, on avait vu que la carte s'était retournée, tout ça. Donc je vais pas trop en reparler parce qu'il y a eu pas mal de live d'autres youtubeurs. Moi j'avais fait une vidéo, je l'avais postée, donc si vous êtes intéressé je vous la mettrai en lien de description sur le petit point i qui est juste en haut à droite, ou à gauche, je sais plus. Et vous pouvez la retrouver en fin de vidéo, donc avec la petite écran, quand j'aurai terminé la vidéo. Donc on va faire une petite game, on va déjà parler un peu du pass de combat, tout ça. Moi j'apprécie le pass de combat. Il y a certains skins, bon, j'aurais pu éviter les mettre, mais à part ça, je trouve que au niveau de cette saison, pour le moment, il y a l'air d'avoir pas mal de choses. Donc déjà on a la fondation, donc on sait déjà un peu que l'organisation de la saison dernière qu'on avait joué, donc avec pas mal de petites choses, on sait que c'était les méchants. Et pourtant, on se disait presque souvent que c'était les gentils, mais apparemment, ils veulent se garder le point zéro, donc on sait à peu près ce qu'il y a de nouveau. Alors bon, moi, je reparle de ça, tout ça, je parle surtout du pass de combat où on a Spider-Man, quand même, on a quand même quelques skins qui sont à Paris. Donc on a quand même la fondation avec notre cher, c'est le catcher, hein, c'est le catcher, ancien catcher qui joue dans Fans for Youth, tout ça. Donc c'est vrai que ça fait un petit clin d'œil à lui. Les Spider-Man, je pense que pour ceux qui ont vu le dernier Spider-Man, il y a pas mal de trucs sur TikTok, sur YouTube, du film qui est sorti. C'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai qu'il est plutôt bien, moi je trouve. Franchement, je pense que pas mal de personnes ont été hype de voir le premier Spider-Man se pointer. Donc c'est vrai que ça fait plaisir. Nous avons donc au niveau du pass de combat, bon bah moi j'ai déjà quelques skins. J'ai déjà L, donc je les complète, je les transforme complètement. Alors je sais qu'il reste une personnalisation. Il y a les personnalisations or machin, mais il y a encore cette tête là qui n'est pas encore, je pense que ça doit être dans les skins secondaires. Nous avons lui qui a plusieurs façons aussi, qui est plutôt stylé, je trouve qui est plutôt cool. Nous avons le lama stylé, de la gratitude la plus importante. Et on a d'autres skins qui apparaissent, donc on dirait un peu Sky celle qui avait les bombes. Attendez, je crois bien que j'ai son skin de tête, mais je ne me rappelle pas du nom. J'étais un peu pas mal de skins. On va faire un truc, quand je ferai une vidéo. Alors là on a Sky et... Ah oui, c'était Tina que j'avais pris en noir et qui était plutôt stylé, qui était plutôt cool.
Nous avons une petite étoile de neige qui est apparue pour Noël. Alors moi j'ai déjà eu trois cadeaux. J'ai déjà fait le cadeau violet qui était sur le crochet. J'ai pas fait d'autres cadeaux là. J'ai fait le cadeau rouge qui était là et j'ai fait le sac qui était juste ici. Donc il y avait le sac vert où on avait un planeur et le planeur qui est juste au-dessus, qui est juste au-dessus des cadeaux, qui est clairement à côté du. Et qui est plutôt stylé, je trouve. En fait, ils mettent tout ce que vous recevez, vous l'avez un minimum sur le truc. Donc, moi, j'ai eu le planeur qui est en haut à gauche. J'ai eu l'appel à tarte. Donc, moi, j'appelle ça l'appel à tarte. Mais la déneigeuse. Et par contre, je ne vois pas. Ah, si, je suis con. J'ai eu le piochon. L'arme qui est juste à droite, qu'on voit un peu sur la cheminée. Je mettrai peut-être une flèche à côté de sortir, qui est plutôt stylé. J'ai pas eu d'autre chose. Je sais pas si je serai jusqu'à 16h, parce que c'est 16h le prochain cadeau. Donc, ou sinon, je ferai une petite ellipse et j'attendrai 16h et je vous montrerai lequel cadeau que je choisirai. Comme ça, voilà. Donc, on va se lancer en petite game. Donc, on va faire une partie en solo. Je vais essayer de faire le défi. Quête des fêtes hivernales. Donc, je vais essayer de faire les pieds gelés. Alors, faut que j'essaye de trouver des grenades. Que j'essaye de trouver des grenades. Et je vais essayer de trouver. Je vais essayer de survivre au minimum 75 personnes. Donc, on verra bien. Normalement, j'arrive à gérer jusqu'à. Allez, niveau jusqu'à la 10e personne en temps normal, si voilà, s'il n'y a pas trop de monde. Alors j'ai déjà fait un défi parce que le défi c'était parcourir les stations essence, donc faire 4 stations essence. Donc je voulais pas non plus voilà. Et si on peut accomplir les contrats, je ferai les contrats. Donc c'est parti. J'ai l'XP super chargé. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager et à mettre la cloche. Puis ça fait toujours plaisir. Et puis ben, c'est parti pour une semaine de Noël. Il y aura du Far Cry, oui, bien sûr. On retournera sur Forza Horizon. Forza Horizon, c'est dans la globalité, hein. Clairement, vu le nombre de personnes qui font des vidéos, les nombreuses courses qu'il y a, je pense que tout le monde les a fait. On va faire juste les trucs, les 4 semaines. Les quêtes de saison, et puis on sera content. Alors, je vais essayer de me mettre un peu. Je vais essayer de me mettre. En tout cas, moi je trouve que la map. Alors je sais que. Je trouve que la map est plutôt stylée. Beaucoup de personnes disent qu'elle ressemble à la première map. Alors oui, il y a une aire de ressemblance, mais il y a trop de choses qui n'y étaient pas. Donc. Alors après, à vrai dire, le Daily Bugle, il n'y était pas, la statue n'y était pas, il n'y avait pas tant de neige que ça. Alors après, ça va peut-être disparaître avec le truc de l'hiver, mais je pense pas qu'il y aura autant de choses que de trucs. On va aller là. Donc voilà. Donc faudra que je voie aussi que je retourne en mode créatif pour voir s'il y a des choses qu'on peut faire en créatif. Alors apparemment c'est toujours l'ancienne map. Apparemment, il y a déjà pas mal de personnes qui disent que c'est encore l'ancienne map et que les cercles de téléportation sont toujours de l'ancienne map. Alors je pense que depuis le temps, ils ont dû faire les modifications. Il n'y a pas trop de bugs encore sur cette saison. Je suis plutôt content parce que clairement, sur certaines saisons, je suis plutôt ric-rac. Donc, mais là, ça va. Là, ça va plutôt cool. Au niveau de cette saison, je sais pas si pour ceux qui n'y jouent pas, alors je sais qu'il y en a qui jouent plutôt, qui n'y jouent plus ou qui n'y jouent plus du tout. Il y a la couronne lama maintenant, donc qui est plutôt cool. Et qui est double XP, je crois, qui fait un double XP. Alors moi je l'ai déjà fait. Mais c'est pas mon but aujourd'hui de faire top 1. Alors si on arrive à faire un top 1, on fera top 1. Mais si on fait pas top 1, on fera pas top 1. Shit you!
Ah oui, c'est vrai qu'on peut. On peut les ouvrir, ces machins, c'est cool. J'imagine qu'il va y avoir des défis avec ça. Ça, c'est plutôt cool de pouvoir ouvrir des caisses comme ça. C'est vrai que ça change un peu des. Tu vas te casser, oui, la chaise. Il y a quelqu'un. Hop. Il y a le coffre là. Ben non. Je l'entends, mais je le vois pas. Ok, j'entends un coffre, mais je le vois pas. Bon, bah tant pis. Bon. On va descendre. Donc, tu me snipes? Ah bah. S'est trompé dans sa construction, ça arrive, même moi je me trompe des fois, et ça c'est chiant quand vous vous trompez dans une construction, quand vous êtes à la manette, tu te dis oh bah ça doit d'abord être bon. Pour ça, toujours penser à avoir correctement ce qu'il vous faut. Par contre, j'ai l'impression que les boules de neige étaient moins longues que certaines époques. Parce que les boules de neige, je sais que. Encore des. On va aller plus vite comme ça.
Bon, pour le moment, ça a l'air d'aller. Pour ceux qui regarderont la vidéo, je voudrais savoir si vous jouez souvent avec un casque ou sans casque. Alors moi, je suis plutôt sans casque, mais je sais qu'apparemment, il y a pas mal de personnes qui jouent avec un casque. Alors dites-moi en commentaire. C'est bien qu'il y ait de la faune et la flore maintenant. Les arbres tuent tout. Ça fait mal, ces arbres-là. Quand vous le prenez sur le coin de la gueule, faites bien attention quand il vous tombe sur le tronc. 75 de PV que vous perdez, et puis si vous jouez pas très bien, il peut vous faire encore plus mal. Je me suis déjà fait shot par un arbre, ça fait bizarre. Je pourrais prendre les boules de neige pour faire chier les gens. Qu'est-ce que vous en dites? Je sais pas si on peut les coller sur les gens. C'est plutôt de l'amusement là, les boboules. Ça sur soi. Ça sert à rien de construire, hein, les gars. Si je fais top 1 en vidéo, ça sera bien la première fois parce que. Oh là, par contre, le lag. J'ai eu le même lag que. Oh la vache. Il y a le lama. Moi, j'y touche pas au lama parce que. Par contre, il est un peu plus safe quand même. Il y a un peu plus de facilité. Ah, celui-là, on peut pas l'ouvrir. Vous êtes une cible. Ah! Tiens donc.
Alors par contre, je sais pas où il y a un panneau en temps normal. Il y en a, ils aiment bien les gants de Spider-Man. Pas où il est. Il va me courir après, allez. Oh, c'est la zone à camp, comme je l'appelle. Par contre, il gère bien ses toiles, lui. Parce que moi, j'arrive pas à gérer le temps si bien que ça, quand même. Wow. Là, j'ai eu chaud, là. Ah, je suis désolé, mais je suis en train de me guérir, les gars. Faut arrêter 5 minutes, hein. Et comment faire le ramasse... Comment faire le ramasse-miettes? Puis je dis que c'est la zone à camp, moi. Puis je me mets là. Faut dire qu'ils s'approchent tous de moi. J'ai même pas le temps de faire quoi que ce soit. Ouais, il s'est paumé dans son truc, lui. Il s'est paumé dans son truc, lui. Dommage. Il avait l'air de savoir bien jouer. Moi, je dis ça, mais je saute quand même comme gourou. Oh là là, le campeur de l'arbre, tiens, ça manquait ça. Hein? Le gars, Siki là-bas, lui, c'est le spécialiste de la camp, lui, tiens. Et bon. Alors, il est 16h, donc j'imagine que, bon, bah 25 minutes de vidéo, on va pouvoir regarder ce qu'on a eu comme cadeau. J'ai passé mon niveau correctement. Plutôt content, clairement. Voilà, passer à un niveau impeccable.
impeccable bien, j'ai envie de dire. J'ai fait mon défi, comme l'avait demandé. Bienvenue. Ah non, c'est 17h? C'est à quelle heure qui... Ah. On peut se mettre vers le feu pour avoir de l'XP superchargé? C'est un peu pété tout ça. Non, je l'avais déjà eu, ça m'étonnerait. Donc, on va se débloquer un skin. Bah, on va prendre Miss Skin. Oh, oui, c'est vrai. Les petits bugs. Mascotte tête de chat. Ok. Bon, bah, plus qu'à m'attaquer au. Plus qu'à m'attaquer aux autres. Alors attendez, on va mettre le skin. On va regarder un peu le skin à quoi il ressemble. Il ressemble beaucoup à. Il ressemble beaucoup quand même à. À Sky, moi j'ai envie de dire. Attendez, elle est où? Je vois plus Sky. Bon. Ah. Ah non, peut-être pas. Non, elle y ressemble pas tant que ça. À qui elle ressemblait? Un pack de skins qui. Peut-être qu'il y a un pack de skins qui ressemblait pareil. Bon. Alors, voyons un peu les masques qu'elle peut avoir. Donc, on peut l'avoir en noir. Ok. L'avoir avec une casquette en noir, on va la remettre en rouge, et avec une tête de chat que je ne vais pas mettre parce que qui ressemble à rien la tête de chat. Par contre, j'étais en train de remarquer masque de natif, c'est bizarre parce que il y a d'autres. Alors là, il y a la seule avec la casquette. Bizarre qu'il n'y ait pas d'autres masques. Ok. Bon bah les gens, c'est sur ceci qu'on va se laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon bah j'ai gagné un skin. J'ai réussi d'avoir mon niveau. Prochaine vidéo. Alors normalement cette vidéo sortira le matin. Donc le mardi matin. Le mardi après-midi, normalement, vous aurez du Forza Horizon, si tout va bien. Le mercredi, vous aurez une vidéo. Alors, faut que je regarde si je peux la voir. C'est un jeu sur l'hiver. Alors, après, je pense que pas mal l'ont fait. C'est surtout un jeu de survie. Donc, on verra. Faut que je voie si je peux avancer ou pas, ou quoi que ce soit, ou je commence une petite saison dessus ou pas. Je vais le jeudi, vous aurez du Fortnite. Normalement, on reviendra sur Fortnite. Alors, je sais pas si il y en aura ou pas. Alors, je verrai bien. Parce que je vais pas vous en faire tout le temps. Je vais aussi vendredi. Normalement, j'ai un nouveau jeu que je voyais, que je teste avec vous ou pas. Faudra que je regarde. Et le samedi, à voir, petite surprise. De ma part, peut-être si j'arrive à la monter, parce que ça fait déjà 2 fois que j'essaye de la monter, parce qu'elle est déjà tournée, mais ça va faire 1 semaine que j'essaye de la faire et que je n'arrive pas à la corriger correctement, parce que ben apparemment il y aurait certaines choses où je n'arrive pas à supprimer ou quoi que ce soit, donc il faut que je regarde et que je fasse tout ça rapidement. Je vous souhaite une bonne soirée. Une bonne journée ou ça, à voir, à plus tard, et puis à la prochaine, les gens, c'est Drake Survie. Peace!